Alors bonjour et bienvenue à tous dans ce petit tuto dans lequel je vais vous présenter cet petit outil qui est vraiment très agréable. Il est fabriqué par DigiTechTools. Donc vous pouvez aller regarder sur digitechtools.com. C'est un petit fabricant en fait qui fait pas mal de contrôleurs qui sont assez sympas. Donc voilà, pour ma part je possède celui-ci, donc qui permet d'assigner et de contrôler en temps réel des fonctions à l'intérieur de son séquenceur. Il en existe un autre modèle avec des boutons poussoirs tout simplement. Et pour tout ce qui est DJ et même producteur, c'est vraiment quelque chose de très sympa. C'est rétro éclairé la nuit. Donc voilà, pour les sets live, c'est quelque chose de vraiment très utile. Je vais vous montrer en fonction comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, j'ai l'Octatrack qui est en train de tourner, qui est en train de produire du son. Et là, moi, je vais aller faire un pomme M à l'intérieur d'Ableton pour contrôler mes fonctions. Donc ici, je vais faire supprimer l'affectation et hop, je vais faire en sorte de le contrôler ici. Donc voilà, vous voyez que désormais, mon cutoff contrôle parfaitement mon séquenceur. Donc je vais voir si j'ai assigné d'autres choses ici. J'ai l'attaque également qui est là. Alors, hop, l'attaque est ici. Voilà, j'ai fait des réglages très fins. Mais voilà, vous avez compris vraiment le processus. Je peux vraiment tout assigner. Donc ça soit, là je suis resté dans l'autofilter pour l'exemple, mais on peut également passer au niveau des potards. Donc là, tac, pomme M à chaque fois. Et par exemple, ici, je pense qu'il a pris en compte. Hop. Voilà, vous voyez que maintenant, dès que j'appuie, hop, ça mute le son. Donc vous pouvez combiner vraiment les effets et faire un peu ce que vous voulez. Donc là, le tuto, il n'est pas très parlant et je m'en excuse, mais c'est parce que j'ai pas programmé vraiment toute la machine. On peut programmer vraiment tout le mapping et faire en sorte d'utiliser les macros d'Ableton Live pour essayer d'avoir des résultats qui sont vraiment très très intéressants. Donc les macros vont venir se rajouter juste à côté, et au niveau du mapping, il faut bien évidemment aller à l'intérieur de l'utilitaire, de le synchroniser, et une fois que vous avez sauvegardé vraiment tous vos préférences, en fait, vous avez différentes banques qui existent, vous voyez ici qu'on peut ranger par couleur aussi, on peut tout contrôler. On va choisir la couleur de la LED. Et voilà, c'est vraiment très très performant. On peut également utiliser des mappings qui sont enregistrés par d'autres producteurs, vous pouvez télécharger sur internet, et pour ça c'est vraiment vraiment très bien, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment très sympas et qui sont adaptés vraiment à la configuration que vous souhaitez avoir. Donc je vous conseille vraiment ce petit MIDI Tools qui est très intéressant, MIDI Fighter Twister, qui peut vous servir. Voilà, ça coûte une centaine d'euros, ça peut vous servir à l'intérieur de votre studio, ça fait assez classe la nuit, et c'est un outil qui est assez performant, qui va vous permettre d'avoir des contrôleurs un petit peu pour avoir un jeu plus créatif et plus intuitif en phase de production. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao.